Salut à toutes et à tous, et nous voici partis pour notre deuxième épisode du Let's Fun sur Portal 2 en compagnie de notre cher ami Zebalka. Salut Zebalka. Salut. Alors c'est bon. Merci, c'est gentil. Regarde, moi si je te fais coucou. Coucou, coucou. Ah, c'est tellement fun, n'empêche. Bon, on vous avait laissé après une épreuve assez tumultueuse, si je peux dire. On a passé une demi-heure dessus, donc on peut dire ça, oui. J'espère que les prochaines épreuves qui nous attendent ne nous demanderont pas plus d'une heure de réflexion, sinon les vidéos vont être très longues. Ouais, parce qu'effectivement, deux vidéos pour passer une salle, ça va être un peu long. Ouais. Surtout, je sens que vous allez rire, vous allez vous moquer de nous. Allez, on va arrêter de blablater et on va aller se faire décomposer et on va continuer. Ah, c'était plus rapide, hein. Ouais, je sais pas pourquoi, dans la dernière vidéo, ça avait un peu buggé. Ouais. Cours, Forest, cours. C'est bien, moi je cours plus vite que toi, toi t'es avec les jambes, Pourtant moi j'ai des plus longues jambes que toi, hein. Ouais, mais tu fais peut-être des plus petits pas, moins puissants. Ouais, toi t'es un homme qui rit. Ça représente l'impossibilité d'effectuer des découvertes sous la contrainte artificielle de considérations éthiques sécuritaires. Vous allez comprendre. Ouais, j'ai rien compris. Et elle dit, vous allez comprendre. Ouais, heureusement, parce que j'ai rien compris à ce qu'il nous a dit. Je savais pas, mais en fait, t'as vu là? Oui. Le disque qu'on utilisait. Oui, ils nous annoncent à l'avance qu'il va y avoir dans les salles, ouais. Ok. Il faut pas boire l'eau, hein. Non. Bah, c'est ce qui alors. C'est ce qui est écrit dessus, hein, ouais. Allez, vas-y. Saute dans l'eau. Saute. Alors, au cas où, ce machin là à côté de moi. Ça, là, ça c'est une plaque de foie aérienne. C'est-à-dire que tu marches dessus, elle va te catapulter de l'autre côté de la pièce. Ok. Voilà. Ok. Est-ce que tu peux faire quelque chose là-bas? Alors, moi j'ai moyen de foutre des portails. Merde. Attends, ouais. Bravo. Je ne supporte pas que les sujets d'art injectent leurs préjugés dans l'appréciation artistique. Mais j'avoue que vous vous êtes injecté dans l'acide avec un brillant certain. Alors là, je dois quand même avouer que c'est même plus de la bêtise, là on surpasse là. J'ai trouvé le cube. Bah oui, il y a un cube là-bas justement, mais c'était pour savoir si toi tu pouvais faire quelque chose là-bas avec. Quoi ? Je vois. Alors attends, moi je retourne. Il y a une catapulte à l'intérieur. Je suis en train de me cogner la tête, mais avec ça. Vous avez vu? Ah, mais il y a moyen peut-être de faire un portail. J'ai compris. Attends. Ouais, j'ai compris aussi. On peut faire un portail. Oui, c'est ce que je pensais. En fait, je crois que j'ai trouvé déjà comment on va pouvoir débloquer ça. Bon, regarde, moi je te. Ah, mais mince. J'ai besoin de toi. Mince. Ouais. Ah oui, mais à l'intérieur, je peux mettre qu'un portail. Ouais, non, justement, ouais, non, tu peux en mettre deux en fait, mais pour débloquer le deuxième, il va falloir faire quelque chose. D'accord. Il va falloir. Toi, par contre, là, ouais. Il va falloir en fait que tu utilises. Il va falloir utiliser l'élan pour aller ailleurs. Non, mais tu vois, j'ai moyen. J'ai un seul endroit où je peux placer un deuxième portail et j'ai un trou ici. Oui, justement, oui. Mais justement, et pour débloquer ce trou, il va falloir. Tu vois le machin là-bas? Ouais. Il y a un bouton. Et pour activer ce bouton, il va falloir passer par la plateforme qui est là-haut, la plateforme blanche. Il va falloir se propulser là-bas dedans. D'accord. Je vais sortir. Donc il va falloir trouver un moyen d'aller là-bas. Ouais, je vais sortir déjà. Ah non, c'est bon, je crois que je l'ai trouvé. En fait, il y a une autre salle là-bas que je viens de voir. Ok. Alors, ce qu'il va falloir faire... Voyons voir. T'es où toi? Je suis ici. Ça t'aide pas beaucoup, mais. Merci! Ah, mais non, ouais, mais par contre, je vais avoir besoin de toi là pour faire ça, je crois. Ok. Waouh! Tu es où? Je suis là. Merci, sympa! Il faut que tu viennes là en fait. Viens là, c'est où là? Ah, ici. Très bien. Les pauvres viewers, ils comprennent rien. Ah, ici, là. Ah, ouais. Parce que ce qu'il va falloir faire, c'est que tu vas devoir m'aider à me catapulter.
catapulte où exactement? Bah attends, reviens, retraverse le portail là. Ouais. Alors, je crois que c'est ça, hein, mais viens voir là. Tu vois là-bas, il y a un truc en haut et un truc en bas. Un truc en haut et un truc en bas. Enfin, tu vois, viens voir vers moi là. Ouais. Tu vois la fente? Ouais. Mets un portail en haut. Ouais. Sur le mur en haut. Moi je vais aller en bas, puis je vais traverser un portail que je vais mettre moi en bas. Comme ça je vais gagner de l'accélération, on est d'accord? Tu vas pas passer dans mon portail? Si. Et tout. Mets un autre portail ici sur le plan incliné. D'accord, ok, ouais, d'accord, j'ai compris. Du coup, ouais, voilà, moi je vais me faire balancer de l'autre côté, et puis je vais pouvoir normalement te rejoindre depuis là-bas. Mais normalement, hein, à l'extérieur, j'ai l'impression qu'il faut une deuxième personne pour foutre des portails. Pas pour foutre un portail ou toi. Parce qu'en fait, là, regarde, on va sortir d'ici, et là, il y a un panneau blanc en face de nous. Oui. Et ben, on va aller là-dedans, et il faudrait un autre portail pour en sortir. Donc ça voudrait dire que dehors, il faudrait une personne pour. Ouais. Effectivement, je pense que ça veut dire qu'il va falloir que toi tu ailles vite fait placer un portail ailleurs. Vite fait, merci, je peux pas en placer deux comme ça. Hein. Non, puis le problème c'est que dès que tu sors, tu vas annuler tes portails. C'est ça qui m'embête en fait. Parce que là c'est clair que c'est ça qu'il faut faire, me permettre d'avoir beaucoup d'accélération et me faire traverser ici. Ah mais regarde, j'ai une idée. En fait, tu vois le portail rouge? Ouais. Va arriver dans le portail jaune, et si après je replace vite fait un portail rouge, je peux me faire catapulter? Là j'ai pas compris. En fait regarde, là si je rentre là dans le portail rouge, d'accord? Ouais. Et ben je vais ressortir dans le portail jaune qui est en face de moi, d'accord? Ouais. Tu sais? Ouais, ouais. Et ben après si, pendant que je suis en train de tomber, je replace le portail rouge en dessous. Enfin, si je replace un autre, le portail jaune, je le refous en bas. Ouais. Ben, je me ferai catapulter automatiquement? Non, justement, parce qu'il faut avoir trois portails pour pouvoir faire ça. Regarde, je te montre, d'accord? Non, mais ça va pas marcher, il faut trois portails pour faire ça. Regarde. Tadam, t'as vu? Ah, comme ça, tu voulais dire? Voilà. Ah ouais, ça puis marche. Moi, du coup... Ah ouais, bah attends, reviens ici, refais ta méthode, moi je vais aller placer les portails de l'autre côté. T'as vu? Tu comprends ce que je voulais dire? Ouais. Mets un portail là où j'ai mis le mien, parce que je vais avoir besoin de tes portails pour traverser. Parce qu'en fait, pour que je puisse mettre des portails... Non, non, il faut pas que t'annules les tiens, faut que tu me permettes de traverser la salle. Pardon. Bien. Attends. Et attends, traverse pas. Ce qu'il va falloir faire maintenant... Attends. Il va falloir que j'arrive à mettre un portail là en dessus de ma tête. Donc mets un portail là-bas. C'est là-bas? Voilà. Ouais. Et puis un autre sur le mur là-bas. Mais n'empêche, t'as vu ce jeu d'équipe? Ah oui, non, mais alors là, si on fait pas équipe, c'est foutu. Hein. Voilà, puis maintenant, tu fais ta méthode et normalement, ça devrait marcher. Ok. Je dois faire ma méthode. Ouais, ouais non, effectivement, j'avais pas pensé à ça, t'as parfaitement raison. Hein. Et comme ça, tu vas pouvoir aller chercher, appuyer sur le bouton. Prêt? Ouais. Enfin, non, je préfère faire comme ça. Deux secondes, je vais faire un truc. Oh mince. Là. Suite. Ici. Allez, t'es prêt? J'y vais? Ouais, ouais. Waouh! Voilà! T'as vu ça? Donc maintenant, surtout, tu restes là-haut sur la plateforme. Parce que maintenant, justement, ouais, voilà. Donc, reste sur la plateforme parce que le problème, c'est que le bouton, je crois qu'il va falloir le. Timing? Je sais pas s'il y a un timer, mais en tout cas, dans le doute. Attends. Donc là, je suis là, je vais pouvoir te... Ouais, voilà, donc je vais pouvoir catapulter le cube là-haut. Ok. Et donc, il va atterrir... Ah, ok. Il atterrit là, ici, là-bas, le cube, d'accord? Ouais. Je te l'envoie. Vas-y. Je vais voir ce que ça donne. Ok. Ah non, il arrive pas au bon endroit. Je peux pas mettre des... Par contre, je peux pas mettre de portail sur les plateformes noires. Non, ça c'est normal, c'est que sur les blanches que tu peux mettre. Mais pourtant il arrive sur une plateforme noire. En fait, ce qu'il faut faire, je crois que j'ai compris, il va falloir que dès que je lance le truc, toi tu sautes sur la plateforme aérienne et que tu l'attrapes en vol. Ouais. Bah c'est le seul moyen. Ça passe pile à ta hauteur. Oh, t'es sérieux? Ouais. Bah suicide. Je sens que c'est la seule manière de faire ça. Ok, bah... Je vais la faire à la Yamakasi. Ça va être un peu ça, ouais. Donc tu me dis quand t'es prêt, puis je te l'envoie. Allez, vas-y, quand t'as envie. Tac. Oh non. Loupé.
Et tu penses que c'est faisable de le prendre? Je sais pas, j'essaye. Ok, prêt? Vas-y. Lance. Ouais, faut que tu le partes faisable. Faut que tu partes un peu en arrière, mais c'est faisable? Ouais, ça m'a l'air faisable. Ok, prêt? Ouais, maintenant. Ouais, il faut que je lance le cube avant que tu sautes, parce que le cube prend plus de temps. Envie. Vas-y. Ah ouais, faut vraiment passer au bon moment par contre. Hein. Bon, prêt? Non, j'ai un peu sauté. On va jamais y arriver. C'est bon. Tant pis. Ouais. Oh. Ouais. C'est bon, j'ai réussi. Alors c'est ça, c'est pas du bien joué. Bravo. Vous avez négocié toutes les métaphores volontaires de l'œuvre en un temps record. Je note que cet art est apprécié. Ok. Ah. Ah bah. Ouais, on aura bien géré sur celui-là quand même. Ah, ouais. Et pourtant, il était plus compliqué que celui-là d'avant. Hein. Ouais. Non. Il fallait faire toutes sortes d'acrobaties. Il y a pas sa caméra quelque part pour plus la narguer. Ah non, mince. T'es où? Celui-là, j'arrive. Bon, allez, on aura 10 minutes pour faire cette salle. Allô? Oui. Non, c'est le chrono. Oui, bien sûr. Je viens de te dire qu'on en a mis 10 minutes pour faire cette salle. Ok, d'accord. C'est toi ou moi qui a reçu un appel? Un appel? Pas moi. Non, pas toi? Ok, alors c'est moi qui ai dû recevoir un... Ouais, j'ai dû recevoir un appel. Enfin bon, peu importe. Ah bon? Cette œuvre s'intitule... Ouais. En fait, peu importe son titre, ce qui compte, c'est que vous l'appréciez le plus vite possible. Ah, là, il y aura ton portail de lumière, non? Ouais. Ah, puis il y aura des gels conversifs et propulsifs. Ça va être fun aussi. Ça, tu vas y rencontrer que plus tard dans le jeu. Bon, malheureusement, ça va te spoiler pas mal de tous les éléments du jeu. Mais ça, c'est fun aussi. Mais ça, tu m'avais déjà, je crois, montré une fois quand j'étais venu chez toi. Ah, c'est pas impossible. Non. Mais comment peut-on l'atteindre? Comme ça? Ah oui, comme ça. J'en fous au mur. Je l'avais pas vu. Ça fait quoi d'y foutre au mur? Bah ça fait qu'on va pouvoir traverser. Ah mais c'est collant. Ouais ça colle sur les murs, donc il faut que t'en foutes partout, tu tartines tout le mur de bleu. Quoique en fait. Oui, tartine tout le mur de bleu. Et ensuite ce qu'on va faire. Je vais essayer un truc. Attends, arrête 30 secondes, je vais essayer un truc. Ouais, tu veux que j'arrête quoi? Avec cette œuvre, j'avais la mort en toile de fond. Vous l'avez remarqué, à ce que je constate. Je reviens, j'ai complètement raté ce que je voulais faire. Je voulais rebondir en fait. Ouais, voilà, faire ça. Ah. Tu penses que c'est faisable? De faire quoi? Je vais rebondir comment? Mais pourquoi il saute pas, ce con? Il faire deux fois l'espace, je crois. L'acide est l'acide. Le sens profond est aussi l'acide. Je vous laisse vous imprégner. Parce que je suis sûr qu'il faut sauter sur ce machin. Oh yo! Ouais, mais ça permet pas de rebondir assez haut, c'est ça le problème en fait. Faudrait qu'on arrive à trouver un moyen. Je commence à croire que le thème de cette œuvre devrait être l'échec. Merci beaucoup. Peut-être l'intérêt du mur de lumière. Ouais, mais le problème c'est que le mur de lumière là. À quoi il pourrait nous servir? Parce que le problème c'est que justement il faudrait rebondir sur ce machin. Ouais. Pourquoi il peut pas être horizontal ce fichu mur, c'est pas puissant. Ouais, c'était bien un truc comme ça qu'il fallait tenter, mais visiblement c'est pas possible. Je modifie officiellement le thème de cette œuvre en survie. Essayez donc sous cet angle. Papa. Alors, réfléchissons. On est vraiment nuls, hein, c'est décidément, je crois que c'est. Il y a moyen de colorer le mur. De lumière. Quel mur? Mur de lumière, on peut lui mettre cette substance visqueuse pour rebondir dessus? Logiquement pas, non. Mais tu peux essayer. Ouais, j'ai jamais pensé à ça, donc... Je sais pas. Essaye. Si, on peut. Si, ça passe. Bah alors, colorie tout le mur, alors. Oh! Eh, c'est qui a eu l'idée de génie? Ouais, mais justement, tu vois, ça par exemple, c'est typiquement un élément de gameplay qui existe pas en solo, parce que tu peux pas faire ça en un joueur. En attendant, j'ai eu la bonne idée. Hein. Ouais, effectivement, parce que moi j'aurais jamais pensé à ça, puisqu'en un joueur on n'a jamais à faire ça, du coup j'avais carrément pas pensé à faire ça. Ah, tu m'as poussé!
Pas du tout. Enfoiré. Mais je t'ai pas poussé. Ouais, mais tu m'empêchais de passer, j'avançais. Ah, mais comment tu voulais que je devine? Attends, laisse-moi, c'est moi qui ai testé. Wouting, wouting, wouting. Ah, parfait. Okay. Ouais, c'est faisable. Je te rejoins. Ah, bah oui, comme ça, c'est tout de suite plus faisable, ouais, effectivement. Merci Thierry pour l'idée, hein. Effectivement, bravo, là sur le coup, j'aurais jamais pensé à ça. Mais ce genre de truc, c'est tellement fourbe. Ouais, surtout que, encore une fois, oui, faut vraiment pouvoir. Faut vraiment avoir l'idée, parce que ça, un joueur, t'as jamais besoin de le faire. Comment pour passer? Bah tu mets un... bah tu... Tu peux pas me rejoindre là avec le portail. Maintenant mais saute sur le machin bleu. Par terre. Non, par terre. Celui qui est par terre. Ah. Le machin bleu qui est par terre. Tu fais un saut. Ah ouais. Pas bête, pas bête. Au final je pense que cette salle elle aurait demandé peut-être un petit peu plus de réflexion mais on aura bien géré hein. Ouais. Ah parce qu'on a déjà fini. Ouais. Ah énorme. Enfin je crois. Vous êtes en symbiose avec la bêtise. Avec la bêtise. Ah bah non, on a pas fini. Ah non, je me disais bien, ouais. Ça doit être un checkpoint, mais ouais. Oh, misère. Waouh. Alors... Réfléchissons. Ah. C'est quoi ces machins? Attends, laisse tomber le gel orange. On va en foutre, on va en tartiner le sol. Ah oui, non mais on peut pas le mettre ici. Parce que ce sol-là... Ok, donc c'est on pas ça du tout. Tête. C'est pas ça que je voulais faire. Ah non, il va falloir faire comme avant. Il va falloir tartiner en rouge un mur qu'on va placer par terre. Donc, ouais. Attends, je peux déjà essayer un truc. Ouais. J'ai essayé de voir ce que fait l'interrupteur là-bas. Ça, il doit ouvrir la porte, je pense. Ouais, voilà, ça, ça va permettre. Ah non, ça permet de sauter là-haut. Fais ça comment, mur? Hein? Et comment pour le mur? Quel mur? Là, le mur de lumière qui traverse, comment tu l'as mis? J'ai tiré en dessous là-bas, puis un là contre le mur. Ok. Donc maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est trouver un moyen d'aller chercher. Merci! Désolé. Non, non, mais y'a pas de problème. C'est un cadeau. Ce qu'il va falloir faire maintenant. Ou du gel? Parce que tu vois le tube là-bas, c'est ça qu'il va falloir aller chercher. Ah, et t'as pas moyen de foutre du gel bleu? Là justement. Prends le gel si. Attends. Voilà. Tiens là, je t'en mets. Ah, ah si c'est bon, j'ai compris comment ça va marcher. Attends, touche plus à rien, ton mur, ton machin, il est parfait. C'est. Ah pardon. Touche plus à rien, c'est parfait ton truc. Enfin si, reviens en arrière, mais... T'es prêt? Je dois courir. Attends, non, retourne en arrière. Et puis attends, je vais mettre du bleu là-bas. Voilà, puis maintenant tu cours. Normalement, ça te donne assez d'élan pour pouvoir aller chercher le truc. Ouais, c'est bon. Parfait. Ensuite, il va falloir que tu le mettes sur le petit cul, sur le petit boutonnion. Saut! Maintenant. Ah oui, c'est bon. Je l'ai. Ah. Parce que maintenant on va faire ça comme ça. Ça va nous permettre de sauter. Waouh. Parce qu'il va falloir rebondir pour aller là-bas. Aller où? Ah bah ok ouais. Donc là où je mets du truc bleu pour l'instant c'est là-bas dessus qu'il va falloir rebondir. Ah et on va passer par où on était? Donc je pense qu'il va falloir Ah oui oui j'ai compris. Là par contre faut tout tartiner en orange non? Il va falloir tout tartiner en orange pour avoir assez d'élan, puis ensuite pour que ça nous permette de rebondir. Ouais. Donc en gros, il va falloir tartiner en orange ton chemin là. Bah vas-y, c'est je te laisse faire. Le problème, c'est que je peux pas tartiner plus que ça parce que. Parce que je peux pas tartiner là juste devant mes pieds. Ça va toujours partir plus loin là-bas. L'élan il s'arrête? Et puis après, l'élan, oui, il s'arrête. Merde. Donc c'est pas comme ça que ça va marcher. Ah, attends! Sauf qu'il y a plein de murs inclinés là-bas, ils doivent bien servir à quelque chose. Le coup du bleu, on peut pas en mettre un petit peu plus bas? Si si. Avec celui-là, je pense qu'on devrait... Ah attends, quoique celui-là, il va peut-être nous permettre de faire ce que je voulais. C'est ce que tu voulais, c'est-à-dire que... Ouais non, en fait c'est pourri.
par contre, là, l'autre, là, le, celui-là à côté. Ah si, voilà, c'est comme ça qu'on va pouvoir faire du orange. Si. Ouais, regarde, on va pouvoir faire du orange comme ça. Du orange? C'est quoi l'intérêt de faire ça? Bah d'avoir justement une piste d'accélération. C'est-à-dire que quand on monte, on va accélérer? Parce qu'il faut pouvoir accélérer, parce que je te rappelle qu'on va devoir faire après un truc vertical. C'est-à-dire qu'on va devoir trouver un moyen de faire une accélération verticale suffisamment puissante. Non. Ah oh. Tu m'as enlevé le portail alors que j'allais marcher. Ah, excuse-moi. Mais c'était juste pour la tartiner orange comme ça. Ouais. Donc maintenant on a tout en orange. Ce qu'il va falloir faire maintenant, c'est plus rajouter un truc là en bleu. Et normalement là on devrait pouvoir y arriver. Si tu le dis. Ok. Regarde. Allez, moi j'y crois. Oh yo ! Ouais, ok, pas du tout. Parce que je vois pas comment tu vas faire pour marcher sur le mur, ok. Mais c'est pour ça qu'il faut mettre de l'orange pour faire de l'accélération et sauter jusqu'au bleu. Faut foutre de l'orange sur tout le truc là. Ok, donc faut que je foute de l'orange, c'est ça ? Ouais. Il faut en foutre, surtout le problème c'est là où il y a mon portail, c'est là qu'il faut en mettre de l'orange. Donc peut-être que si je fais comme ça... Ouais mais non, ça sert à rien ça. Merde. Tu as fait une croix. Elle est jolie, ouais. Ta croix. C'est super pratique mais ça sert pas des masses. On fout ton portail où il était avant. Comment est-ce qu'on peut faire ça? Si on saute, il y a pas moins. Si on a du gel bleu ici, qu'après on saute et on fait flou. Ah ouais, peut-être. Ouais, peut-être. Si on fiche. Ah mais attends, on pouvait aussi le mettre comme ça le machin. Ouais. Est-ce que ça nous permettrait pas? Ouais non, mais on peut quand même pas mettre du orange là-dessus. C'est ça mon problème. Moi ce que j'aimerais c'est mettre du orange sur ce mur pour pouvoir courir en vertical. Mais... Je regarde un truc. Ok. Tu peux remettre le mur avant? Oui, bien sûr. Un peu de lumière, s'il te plaît. Voilà. Ok. Bon, attends, il faut. Bah écoute, je vais essayer de rajouter du orange aussi. Ok, jaune, ok. Mets du orange partout, puis ensuite tu mets du bleu. Tu vois pas, j'essaye. Merde. C'est quoi? Je me suis suicidé. T'as emporté le tube avec. Bravo. Ouais, bah, je suis tombé dans l'eau. Fuck. Mais bon, de toute façon, c'est bon le cube, on sait comment le récupérer. De toute façon, c'est exactement la méthode que ce que t'étais en train de faire. Donc remets du orange et puis tu mets du bleu au bout. Ok. C'est bon? Ouais, ouais, y'a plus qu'à mettre du bleu. Il y avait déjà du bleu au fond. Hein. Ah, ok, d'accord. Je savais pas qu'il y avait un trou, moi, derrière, qui est en douille. Bah, oui, justement. Attention! Ah, presque! Ouais, presque, c'est pour ça, je te dis, il faudrait vraiment mettre du orange ici. Du bleu, un petit coup de bleu, moi, je dirais. Ou un coup de bleu, ouais. Voilà. C'est bon, maintenant, ça devrait être bon. Ça. Bon. Je vais essayer ton plan suicidaire. Aïe! Ça marche pas, y'a pas le bleu. Non! J'ai failli remporter le tube comme on a. Merde, ça passe pas. Hein. C'est juste énorme! Laisse-moi faire. Ouais, aïe. Ça m'a bien là. T'es prêt? Ouais. Ouais, quoi qu'attends, j'ai encore une autre idée. Oh putain. Ouais, ouais. Ah non, mais attends, je crois que j'ai encore une meilleure idée. Par contre, parce que tu vois le truc là-bas. Ouais. En allant là-bas, en rebondissant sur le machin là-bas, sur celui-ci, tu vas partir sur le machin bleu qui est ici. Ouais. Et rebondir sur celui qui est ici. Ah! Donc il faudrait trouver un moyen de nous propulser là-bas. C'est
sûr que ça marche comme ça? Bah, je suis sûr non, mais t'as une meilleure solution à proposer. Alors, on va essayer de refaire ton truc avec le seau que t'avais mis avant. Le seau? Oui, t'avais mis ton mur là par terre, et puis tu pouvais sauter sur le machin là-haut. Que je refasse le mur de lumière? Ouais, et puis que tu mettes un truc pour sauter, comme t'avais fait avant. C'était assez... comme ça, ça pourrait peut-être marcher. Moi là j'ai fait le mur de lumière, donc à toi de t'occuper de mettre les trucs, le bleu. Ah, comme ça. Voilà. Mais j'arrive pas à sauter à travers ce satané truc. Ouais, mais ça doit pas être comme ça alors. Ok. C'est sûr que c'est un machin comme ça qu'il faut faire. Parce qu'ils ont pas mis des trucs invisibles là-bas pour rien. Ils ont pas foutu des trucs pour rien quand même. Non, fais-toi le mur de lumière. Ici on fait comme ça tout simplement. Ah. Ouais, et on passe comment dessus? Bah tu fous un portail là-bas. Voilà. Oui. Du coup moi j'y suis. Et maintenant il n'y a plus qu'à sauter. Ah. C'était... en fait, il n'y a pas plus qu'à sauter parce qu'il faut encore ajouter du bleu quelque part. Mais... Et maintenant, donc. Moi, attends, c'est quel portail? Hein, je peux encore en bouger. Hein. Ouais, alors ce que tu fais, c'est mets du orange là sur tout le long. Tout le long? Ouais. Ok. Ah oui, c'est ça. Voilà, et comme ça, on aura assez d'élan. Par contre, il va falloir que tu recules et que moi aussi parce que sinon, on va se rentrer dedans comme avant. Attends, enlève toi tes portails peut-être. Ouais, non, c'est parfait, c'était ça. Tu ah mince, y a plus de bleu. Oui, justement, c'est pour ça que je t'ai dit d'enlever tes portails. Voilà. Certaines de ces œuvres traitent d'un sujet d'actualité. Oh la vache, c'est quand même assez compliqué, hein. Elles ne seront plus d'actualité quand vous les aurez atteintes. Mon cerveau, là, il est en train de perdre des... Ah ouais, alors là, je confirme, c'est quand même pas deux, mais surtout, bon, là, on atteint les 27 minutes de vidéo, donc là. Ouais, bah on va pas aller plus loin parce que sinon on va encore y passer un bon bout de temps. Surtout que la dernière vidéo est un petit peu plus longue que ce qu'on avait prévu. Donc. Ouais. Eh bah alors la vache. Par contre, du coup, on parle beaucoup. On se refait un check, ça le mérite. On parle beaucoup entre nous, mais on parle pas de grand chose d'autre par contre. Ouais, mais je pense que t'es tellement pris, tu vois, dans l'épreuve que tu réfléchis, même à notre. Enfin, j'en suis sûr que même les viewers doivent réfléchir à notre place, et ça doit quand même les faire tourner un peu en bourrique aussi. J'ai surtout l'impression que ceux qui nous regardent doivent être en train de taper du poing sur la table derrière leur ordi, en train de se dire: mais vous êtes cons, faites ça, c'est ça la solution. C'est vrai que cette sensation, je l'ai souvent quand tu dis: mais putain, pourquoi tu fais pas ça? C'est tellement évident. Du coup, ceux qui ont déjà joué, qui ont déjà fait ça ou qui ont déjà vu la solution, effectivement, eux, ils doivent rager. Je pense pas qu'ils supportent de nous regarder. Hey, coucou, toi. Oh, tu fais aussi coucou. Attends, je te fais encore coucou. Bon, allez, c'est bon, on arrête. Bon, en tout cas, on espère que la vidéo vous aura plu. 3, 2, 1... Ah, je sais pas comment pour arrêter, je sais comment. En tout cas, on espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime et un petit commentaire pour nous dire ce que vous en avez pensé. Après tout, c'est le début quand même aussi d'une nouvelle chaîne. Alors, on espère que cette chaîne... on espère surtout faire des vidéos qui vous plairont, qui vous distrairont, et surtout pendant ces vacances d'été. Enfin, tout dépend aussi le moment où vous regarderez ces vidéos. Mais en tout cas, les premières publications sont pendant ces vacances d'été 2013. Et oui, ce jour est marqué, est à marquer d'une pierre blanche. Oh Francis! C'est moi Francis? Ouais. Allez, sur ça, moi je vous dis à bientôt et je laisse le dernier mot à notre cher ami, c'est Balkin. Bah moi aussi je vais vous dire à bientôt. Bah oui, à bientôt. Salut à toutes et à tous.